Oxygène. Oxygène. Le Zoom Montagne. Et chaque jour sur Oxygène, on se donne rendez-vous entre 7h et 9h pour le Zoom Montagne, le meilleur de l'actualité montagne. Alors Victor, on parle d'une possible révolution. Et un designer hollandais a proposé un projet inédit dans le milieu de la lutte contre la pollution. Inventer un vélo capable de rendre l'air plus respirable en le purifiant. Et le projet s'appelle Smog Free Bicycles. Et c'est donc le néerlandais Dan Roosgaard, l'instigateur de cette idée. Designer à la base, son but n'est pas qu'une création soit forcément belle, mais surtout qu'elle contribue à un monde meilleur. Le but du vélo est simple, il sera équipé d'un système permettant de rejeter un nuage d'air qui sera sain autour du cycliste, et l'énergie produite par le pédalage permettrait donc de recycler l'air pollué des villes. Et le designer n'en est pas à son premier coup d'essai dans ce domaine. Et effectivement, puisqu'en 2015, il avait déjà surpris tout son monde avec sa Smog Free Tower, excusez-moi pour l'anglais, c'est un grand purificateur d'air extérieur haut de 7 mètres sur près de 3,5 mètres de large. Le principe est un peu le même, il aspire l'air ambiant pollué pour le purifier et le relâcher propre dans l'atmosphère. Cette sorte d'aspirateur élimine donc les particules fines les plus dangereuses, et le bémol c'est que cela ne s'étend que sur 20 mètres. Et certains pays comme la Chine soutiennent donc ce projet. On a un peu du mal, Benjamin. Ouais. On connaît donc on connaît donc les grands problèmes de pollution qui existent en Chine avec un nuage de pollution constamment présent sur les grandes villes. Et en 2015, plus de 300 villes chinoises ont échoué aux tests de qualité sur l'air selon Greenpeace. Et le Smog Free Bicycle est soutenu par le gouvernement chinois, mais il reste en phase de développement. Il pourrait donc arriver rapidement dans les villes les plus atteintes par des nuages de fumée. On pense notamment à Pékin ou encore Shanghai. Merci Victor, et à demain donc dans Good Morning Oxygène pour un nouveau Zoom Montagne entre 7h et 9h.